Cher Dany Laferrière, Monsieur le Président, pour vous qui, dans votre nouveau livre qui est paru hier, L'art presque perdu de ne rien faire, avez révélé que vous étiez devenu un spécialiste mondial de la sieste, la fonction de président du livre sur la place, j'en conviens, ne doit pas vous paraître de tout repos. Mais il faut dire que nous sommes tellement heureux de vous accueillir que petits comme grands avons décidé de profiter et de votre gentillesse et de votre humour joyeux et évidemment de votre talent. Alors c'est vrai, ce matin, vous étiez dans un lycée. Cet après-midi, et j'y ai assisté, c'était formidable. Vous avez lu des contes, vos contes, puisque vous écrivez aussi pour les enfants, en français et en créole, à des classes qui étaient émerveillées. Demain matin, vous irez à la maison d'arrêt. Les détenus vous attendent avec beaucoup d'impatience. Dimanche matin, vous lirez la grande dictée au muséum Aquarium. Entre-temps, vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup dédicacé. Bref, ce sera vraiment du grand art, Dany, si vous arrivez à ne rien faire ce week-end à Nancy. Mais faire ce qu'on aime, c'est une manière de ne rien faire. C'est l'ennui, le monstre. C'est contre l'ennui qu'on fait tout ça. C'est-à-dire qu'on écrit des livres, qu'on fait de la musique, qu'on fait du cinéma, qu'on fait de la conversation. Et moi, je suis capable de dormir même en parlant. Je vais quand même vous surveiller. Hein. Alors, Dany, vous êtes né en Haïti, pays que la dictature vous a fait quitter précipitamment en 1976. Vous aviez 23 ans pour Montréal. Vous êtes donc de nationalité canadienne et vous avez été élu en décembre dernier à l'Académie française. Un événement symbolique d'ouverture au monde qui couronne bien sûr l'écrivain amoureux de la langue française, mais qui nous donne à nous aussi encore plus envie de connaître votre parcours, de votre enfance à Petit Goave, près des montagnes bleues et de la mer turquoise, ça fait rêver, jusqu'à ce fauteuil d'académicien qui est celui de Montesquieu, entre autres, et d'Alexandre Dumas. Je suis très content pour eux. Oui, je comprends. Alors, je voudrais aussi que l'on évoque au cours de cette rencontre votre écriture. Vous avez abordé à travers une vingtaine de livres tous les univers littéraires, romans, autobiographiques, fables, poésie, évidemment, parce que vous êtes, je trouve, avant tout un grand poète. Et puis récit aussi, je pense évidemment à Tout bouge autour de moi, ces chroniques que vous avez commencé à écrire alors que vous étiez à Port-au-Prince le 12 janvier 2010, et vous avez commencé à les écrire 15 minutes après l'épouvantable tremblement de terre qui a dévasté l'île. Vous nous direz pourquoi vous avez ressenti cette importance d'écrire, ce livre dans lequel on trouve, à travers des instants capturés, toute la dignité de votre peuple dans la souffrance. C'est vraiment livre très très beau. Donc je voudrais que nous en reparlions. Et puis comme vous êtes aussi un grand lecteur, Dany, et vous écrivez d'ailleurs, et là je vous cite, que le livre est le plus beau voyage que vous connaissez. Attendez, non, je me trompe. Vous écrivez dans ce livre que le plus beau voyage que vous connaissez, c'est celui que procure la lecture. Alors peut-être arriverons-nous à dire un mot sur Borges ou sur Hemingway. En aurons-nous le temps, en prendrons-nous le temps, en tout cas le temps pour soi, c'est quand même avant tout pour lui que vous plaidez dans cet art presque perdu de ne rien faire, qui est avant tout un art de vivre. Oui, tout à fait. Je trouve que nous vivons dans un temps compressé, un temps stressé, un temps comprimé, et que c'est dommage, et parce qu'il suffit de si peu de s'arrêter, de ralentir pour reformer notre vie. Et je ne peux pas croire que je l'ai dit, que les gens qui nous dirigent, qui ont des fonctions, et sont poussés à aller si vite, à une telle vitesse. Et c'est terrible de croire que notre destin se trouve entre les mains de gens fatigués, épuisés et stressés, qui ne dorment pas
et certains même s'enorgueillissent. Certaines fois, ils dorment aussi pendant les discours. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas le bon sommeil. C'est un sommeil d'épuisé et c'est pas bon. Et je me souviens avoir lu cette phrase d'Héraclite qui m'a toujours poursuivi. Héraclite disait : l'homme qui dort construit l'univers. Héraclite est un grand poète. Et un grand philosophe aussi, s'il a trouvé le verbe construire, et c'est exactement ce qu'il voulait dire. C'est physique, c'est concret. Qu'en dormant, nous construisons des choses. Je l'ai expérimenté en écrivant, et tout le monde peut le faire d'ailleurs. On a un problème insoluble, on le croit insoluble, on s'endort le lendemain matin, la solution nous apparaît comme par magie. Les gens qui écrivent, des fois, ils se retrouvent à la fin de la journée et devant une incapacité d'aller plus loin. On ne sait pas ce que doit faire ce personnage. On a l'impression que c'est la littérature qu'on a tissée qui est le problème et qu'on ne pourrait pas avancer, qu'on avait emprunté un mauvais chemin. Et le lendemain matin, on arrive devant la page, on recommence à écrire et brusquement, et on passe par-dessus le problème avec une telle grâce qu'on se demande ce qui était arrivé. Eh bien, il est arrivé le sommeil. C'est-à-dire, on a récupéré notre force, notre énergie, et elle résout bien des problèmes. Oui, alors le sommeil, vous faites surtout l'éloge de la sieste, cette courtoisie offerte à notre corps exténué par le rythme brutal de la ville. C'est amusant parce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est un bien-être, et la sieste, franchement, vous la détestiez quand vous étiez enfant. Oui, c'est vrai, mais les enfants ne peuvent pas aimer la sieste parce que la sieste, c'est une invention d'adulte pour empêcher à l'enfant d'occuper trop d'espace. L'enfant fatigué a tendance à élargir son espace. D'ailleurs, on lui dit, tu es fatigué, tu vas dormir. C'est-à-dire, fatigué veut dire que tu rentres dans le champ de l'adulte et tu bouges trop, tu vas trop loin, on ne peut plus te cerner. Et puisque chaque enfant vit avec un dictateur, on ne peut plus te cerner, alors... Pour ne pas vous faire autre chose, on t'impose le sommeil. Et moi, quand j'étais enfant, je pensais que j'allais vivre heureux, courir. Enfin, on se lève le matin et puis on vit jusqu'à ce qu'on meure. C'est cela, l'enfant, parce qu'on n'a pas conscience qu'il faut un temps de repos pour reprendre l'énergie. Et on a une telle force d'énergie, donc il a fallu que ma mère arrive à me convaincre que dormir était quelque chose d'important. Et elle avait des arguments. Elle allait des fois à la fenêtre le soir même pour me montrer que la ville était en train de dormir et que si je ne dormais pas, les gens n'arriveront pas à dormir, que c'est un acte collectif. Et il fallait que je suis en train d'empêcher aux gens de dormir. Et enfin, vous savez, les mères, comment elles sont. Oui, alors vous parliez de votre enfance, de votre maman, mais votre grand-mère a été importante dans votre enfance. C'était presque un exil, dites-vous. Votre père qui a été maire de Port-au-Prince, a été en exil au moment de la dictature du Valier. Et votre maman vous a presque envoyé en exil chez votre grand-père pour éviter... Absolument, tout à fait. Pour vous protéger. Pour me protéger, parce que mon père est un peu militaire contre Duvalier à l'étranger. On aurait pu me kidnapper, je portais son nom d'ailleurs, et le même nom que lui, le même prénom aussi. Donc ce qui fait que ma mère m'a envoyé pour ma grande fortune à Petit-Gouave et chez ma grand-mère. Alors j'arrive dans cette ville, une petite ville au creux d'une montagne, d'une couronne de montagne avec la mer turquoise des Caraïbes dans mon dos, et derrière les palmiers, des casernes, et un décor magnifique et que j'ai pris plaisir à décrire et que je pousse les gens au Québec à lire en février quand il fait moins 35 degrés et l'odeur du café, je voulais. Mais votre enfance à l'odeur du café? Mais tout simplement parce que mon grand-père était spéculateur en denrées, achetait du café qu'il revendait à une grande maison qui s'appelait la Maison Bombas, qui elle-même revendait en Italie le café de Petit-Gouave, et qui sont des plants de café qui datent de l'époque coloniale. C'est un café magnifique. Et ma grand-mère et mon grand-père achetaient du café, ma grand-mère le buvait. Et elle avait toujours sa chaise, une dodine, c'est-à-dire une chaise berçante, et qu'elle mettait sous sa galerie, et avec une cafetière au pied de la chaise, et elle pensait que le paradis était une immense cafetière. Elle buvait du café avec une sorte d'aristocratie,
C'est-à-dire, jamais du café réchauffé. Elle boit du café quand le café est resté, il est devenu froid. Et jamais on fait réchauffer. Il fallait jeter le café et prendre du café neuf, qu'elle appelait. Et cette cafetière lui servait à offrir du café aux gens qui passent dans la rue. Et c'est ainsi, vous savez, le café délie les langues, excite l'imagination. C'est ainsi qu'elle était, disons, renseignée de tout ce qui se passait dans la ville. Après une tasse de café, la personne disait des choses, genre « mon fils est malade, est à l'hôpital, et puis j'ai été voir, et ma femme est un peu triste », ou bien autre chose. Et ma grand-mère, disons, négociait ces informations avec d'autres personnes. Vous savez, le fils d'Abraham est malade à l'hôpital. Et l'autre dit, ah mais vous ne savez pas que la belle-mère de Gérard s'est mise en ménage avec un tel. Et ne quittant jamais sa galerie, elle était informée de tout ce qui se passait dans la ville. Et moi, j'étais couché à ses pieds, à regarder les fourmis et à écouter. Parce que en Haïti, les enfants n'ont pas le droit de parler, à mon époque, de regarder les adultes, de parler. Il fallait écouter, observer. Et même quand on parlait de vous, ce n'est pas à vous de répondre. Alors, je suis là et la personne dit, « Ah, mais votre petit-fils, il a l'air bien tranquille. Qu'est-ce qu'il a ?» Ma grand-mère dit, « Il a la fièvre. Et pourquoi il ne va pas à l'école ? Parce que quand même, le petit de François est allé à l'école malgré la fièvre. Oui, mais lui, il est très fragile. » Alors, moi, je suis là. Et je crois que c'est une grande initiation. C'est le contraire du blog, du tweet, où tout le monde parle. Et on n'a pas ce temps, cet espace-là, où on n'a pas encore droit à la parole, où il fallait écouter. Et c'est là que j'ai appris, sur cette petite galerie, comment on fait les dialogues. J'étais le narrateur invisible. J'écoutais, je savais tout ce qui se disait, j'observais les gens, leur manière, leur façon. Certains buvaient le café en trois gorgées, d'autres sirotaient, d'autres saluaient en enlevant simplement le chapeau, d'autres faisaient des flatteries et pour avoir une autre tasse. Donc, j'observais et j'écoutais le dialogue oblique que ma grand-mère faisait parce que je savais que chaque information appelait une autre. Elle faisait une confidence pour avoir une autre confidence. C'est la grande technique du dialogue en littérature. Donc, j'avais devant moi un maître et je prenais des notes sans... Votre maman avait, je crois, le culte de la langue française. Quelle est la place du français et la place du créole dans votre enfance ? Ma place du créole, elle est complète et entière. Et alors, le français, c'est la langue littéraire, le créole, la langue parlée ? C'est la langue de l'école à l'époque, dans mon enfance. C'est-à-dire, le créole, c'est la langue que tout le monde parle, c'est la langue spontanée, c'est la langue. Et tout peuple a une langue qu'il doit parler sans réfléchir. C'est-à-dire, c'est une langue produite par le corps, par les énergies, par les impressions, les sensations, les émotions qui ne passent pas par l'esprit tout le temps. On ne peut pas être intelligent tout le temps, c'est mal vu. Et je crois, c'est pas bon pour le caractère. Et donc, cette langue-là, il y a la langue française qui arrivait à l'école, qu'on nous faisait apprendre, qu'on nous obligeait à apprendre, mais que j'adorais, et qu'on apprenait par les livres aussi. Mais on apprenait un français excessivement châtié. C'est un français de Gide qu'on apprenait dans les livres, dans Flaubert. Alors c'est pour ça que je me souviens, quelqu'un est venu à Petit-Gouave un jour, il a dit, mais c'est pas possible, j'ai rencontré un français de France, à Port-au-Prince. Mais il a fait une faute, et puis il avait l'air de ne pas s'en soucier. C'est étrange. Parce qu'à mon époque, vous faites une faute publique, vous devez changer de quartier. Ah non, quelqu'un qui est à la radio, à la télévision, un homme connu, va faire une faute. Je me souviens, j'ai rencontré un type, il m'a dit, bon, écoutez, je ne savais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas, je me suis excité, j'ai introduit la possibilité d'un subjonctif, et puis je ne savais pas comment finir, et bon, je l'ai rencontré à New York. Donc, pour vous montrer que la langue française est comme un trésor. Je me souviens, j'étais avec ma soeur, ma nièce, il y a 2 ans dans la voiture, elle me parlait, elle parlait à une de ses amies au téléphone, elle lui parlait en français. Finalement, elle s'est retournée vers moi, elle dit, bon, je suis en train de gaspiller mon bon français avec cette fille. Donc, c'est quelque chose de précieux. Oui, de précieux. C'est pour ça que nous sommes tout tristes des fois quand on vient
En France, parce qu'on a appris le français dans la grande littérature. Moi, je pensais, en arrivant la première fois, que tout le monde portait des Christian Dior, des Saint-Laurent, et buvait du champagne et parlait de Proust. Les gens sortaient, et que c'était comme ça. Et c'était moi. Il n'y avait que moi qui faisais cela. C'est pour une raison simple, parce que les instituts français travaillent très bien. Alors, ils nous distribuent des Voltaire. Et vous savez, les classiques sont les moins chers. Ils nous distribuent des Voltaire, des Flaubert. Et donc, nous, les mauvais romans qu'on lisait, c'était Diderot. Donc, je pensais que le goût s'est trop affiné. Il a fallu que je déstabilise mon français pour vivre dans le quotidien. Parce que le goût était trop affiné. Je n'arrivais pas à avoir un ton naturel. Et comme disait un des grands poètes haïtiens, jeune homme, d'Avertige, il dit, quand je suis arrivé à Paris, j'ai perdu mon français. L'Académie française va vous aider à retrouver le français que vous aimez. Vous avez commencé en étant journaliste en Haïti et quitté le pays, je le disais tout à l'heure, à 23 ans. C'était la dictature, votre meilleur ami a été assassiné. Et vous êtes parti pour Montréal. Pourquoi ? Très rapidement, très précipitamment. Pourquoi Montréal ? Ah non, on ne choisit pas l'endroit où l'on va quand on est exilé. C'est souvent l'endroit qui vous choisit. C'est une dame qui avait lu que j'étais en situation difficile à Montréal et qui m'a envoyé le billet d'avion par générosité pure. Et je suis arrivé à Montréal dans un moment magnifique. Et le soir même, c'était les Jeux olympiques qui était commencé, les fameux Jeux de 76 avec Nadia Comaneci, la petite fille. Et au moment même, d'ailleurs, où elle avait eu la note 10 et que les ordinateurs ne pouvaient pas présenter ce chiffre, ils ont mis 1 parce qu'ils n'avaient pas ils ne pensaient pas qu'on pouvait faire 10. Et donc, j'ai vu une ville en fièvre. Le soir même, on m'avait amené voir un spectacle de jazz au Rising Sun avec Dizzy Gillespie et Nina Simone. Et là encore, j'ai appris à écrire en regardant Nina Simone chanter avec un verre de rhum à la main gauche et une cigarette à la main droite et regardant la fenêtre avec une telle nonchalance. Elle chantait Brel. Je me suis dit, c'est comme ça que je vais écrire. Un verre de vin à la main gauche, une cigarette à la main droite. Où est-ce que tient la plume, je ne sais pas. Mais je retiens la nonchalance et cette grâce qui signale sûrement un travail fou et en amont. En fait, à Montréal, dans la neige et le froid, un écrivain est né. Cette envie d'écrire, vous l'aviez depuis longtemps, de devenir écrivain. Encore que... je me souviens avoir lu que vous disiez qu'on ne devient pas écrivain, c'est une façon de se tenir au monde. Oui, je crois qu'on peut écrire. Hein. Les machines à écrire, les crayons sont disponibles. Mais être écrivain, c'est autre chose. Et ce n'est pas une question de talent. Et quelqu'un peut avoir plus de talent qu'un autre. C'est une question de caractère. Oui. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez à affronter ? Je ne sais pas, il y a... Je crois que le talent ne suffit pas pour avoir cette chose impalpable, imprécise. Il faut... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se construit. Il y a aussi un désir profond de dire quelque chose qui devrait être dit. Et... Moi, dans mon cas, je voulais changer l'image d'Haïti. Je voulais changer l'image que je porte d'Haïti en moi d'abord, effacer le dictateur qui m'avait et éliminer l'esprit de vengeance. Donc, il m'a fallu réfléchir beaucoup à des choses profondes avant de commencer à écrire. Et j'ai trouvé que j'étais sur la fausse route en pensant avec beaucoup de haine à ce dictateur qui m'avait fait quitter mon pays, et puisque, en fait, c'était lui l'exilé, puisqu'il était exilé de la vie, pris dans le cercle de feu du pouvoir absolu. Il ne pouvait pas quitter le palais, il ne pouvait pas quitter ce désir de dominer les autres, il ne pouvait pas quitter ce réseau complexe de domination et de violence qu'il a créé autour de lui. Et
et j'avais compris que s'il pensait en m'exilant que c'était une punition, j'avais la possibilité d'en faire un moment de récréation. Et j'avais la possibilité de changer l'exil en voyage. Et qu'il ne fallait pas que j'accepte le mot exil. Le mot exil, c'est le mot du dictateur. Le mot voyage, c'est le mot de celui qui va rencontrer le monde, les autres. Donc il fallait d'abord nettoyer le vocabulaire et la pensée. Et c'est là que j'ai compris qu'il était impossible de se venger. La seule façon de se venger, c'est d'oublier ce qu'on vous a fait. Et parce que si vous voulez vous venger, vous êtes pris dans le cercle. Je ne voulais pas que ma vie tourne autour du dictateur, même contre lui, parce que c'est ce qu'il veut. Que vous soyez pour lui ou contre lui, il veut être le centre de votre vie. Et je ne voulais pas que ce soit ça. Il me fallait remonter dans ma vie pour chercher d'autres choses, d'autres pulsions de vie. Et c'est là que j'ai trouvé cette cafetière, cette grand-mère et cette petite galerie. Je me suis dit, faire de ce 88 de la rue Lamar où j'ai passé mon enfance une adresse du bonheur, au lieu de cette image d'hécatombe qu'on présente à Haïti, et faire en sorte qu'avec ces petites choses ramassées ça et là, l'odeur de la terre mouillée après la pluie, le vol soyeux des papillons, l'élégance et la grâce des libellules, et toutes ces choses, le mois d'avril, la couleur jaune, enfin des choses comme ça impalpables, qui sont des choses en fait plus violentes, plus fortes, plus précises, et que le mal. Que le mal. Donc il fallait que je reconstruise un univers avec ça. C'est pour ça que je dis, si je m'étais lancé dans un grand roman sur la dictature, j'aurais pu écrire un grand livre peut-être, je ne sais pas, et j'aurais pu tresser avec la violence qui me tenait, et des phrases vindicatives et des choses comme ça, qui auraient pu soulever le lecteur, mais je n'aurais pas été un écrivain. Je me serais servi de mon talent pour faire quelque chose. Il me fallait retisser la vie et mettre le dictateur et la dictature à l'arrière-plan parce que c'est très artificiel, ce mal. Et pour le contrer, il n'y a que la vie palpitante, la vie vraie et qui peut le faire. C'est très beau. C'est très beau. Alors, vous faites à Montréal toute une série de petits boulots et vous publiez votre premier livre. Alors, le titre est étonnant et ça marche tout de suite. D'ailleurs, dès votre premier livre, vous avez du succès. Vous êtes aujourd'hui une star à Montréal comme à Haïti, à Nancy aussi. Le titre du premier livre s'appelle « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Ben, il fallait instruire la jeunesse. Et ensuite, on est revenu au café, avec l'odeur du café, ce qui me fait d'ailleurs dire que c'est un point commun que vous avez avec Jean d'Ormesson, mais vous en avez beaucoup, nous en parlerons dans quelques instants. Vous citez Aragon dans ce livre, en épitaphe, « La vie ». Jean d'Ormesson, lui, parle en général du silence assourdissant d'aimer. Vous dites, la vie, voyez-vous, c'est de changer de café. Le café vous suit partout, et alors à tel point que vous terminez ce livre, et je trouve ça très joli, avec l'art de changer de café. C'est, vous allez au-delà d'Aragon, vous avez la solution. Vous nous la lisez ? Oui, si vous voulez, bien sûr. L'art de changer de café. Dès qu'on s'installe dans un café, tout le reste de la ville s'efface. On passe du nous bruyant au jeu en sourdine. Ce n'est pas un salon, c'est un roman dont on devient instantanément un des personnages secondaires. Ce qui nous permet d'entrer dans le café et d'en sortir sans toucher à la trame du récit. Tout ici ne se déroule pas toujours de manière harmonieuse, mais nous sommes des animaux capable d'endurer les situations les plus inconfortables. J'ai vu des gens
subir sans broncher le mépris de serveurs maussades ou l'indifférence de leurs voisins de table, alors qu'il suffisait de traverser la rue pour se rendre au café d'en face et changer ainsi de roman ou de vie. C'est vrai, c'est un des mystères de la vie que les gens, des fois, restent là à subir la méchanceté de quelqu'un. On se demande s'il n'y a pas un lien sexuel entre le bourreau et la victime, alors qu'il suffisait des fois de se lever, de s'éloigner et d'aller ailleurs. Le monde est vaste et nous sommes nombreux. Choisir un autre bourreau, quoi. En fait, vous êtes un sage. Alors, je pense que pour vous, l'écrivain qui accompagne le mieux le café, c'est Borges. Et Borges, vous en avez beaucoup parlé dans un de vos métiers. Notre académicien, notre président, a eu un métier assez fantastique au Canada. Il a été monsieur météo, mais il faisait une météo littéraire. Bien, j'ai eu du travail enfin dans ailleurs que dans une usine, après avoir écrit ce premier roman. Et on m'a appelé 2 semaines avant d'ouvrir la station de télévision, la nouvelle chaîne, en me disant, on n'a pas de météo, est-ce que vous voudriez le faire? J'ai dit oui, si je ne parle pas de température. Alors, le propriétaire, ce n'était pas le directeur, le propriétaire de la chaîne de télévision était estomaqué, et puis ensuite, il a trouvé ça drôle, il a dit oui. J'ai dit, mais oui, parce que je devais faire ça le soir. Enfin, vous n'allez pas faire semblant de ne pas savoir quel temps il va faire demain, quand ça fait 4 jours qu'on vous dit quel temps il fera jeudi. Vous le saviez déjà. On peut utiliser ce temps, cet espace à la télévision pour faire autre chose. Moi, j'attends avec impatience qu'au moment de la météo, on nous montre un livre au moins. Et en disant, bon, il va faire 8 degrés demain. Bon. Mais par contre, lisez Candide. Et ce serait bien. Et là, quand j'ai commencé à faire une météo humoristique, littéraire, où je parlais de tout et de rien, et jamais de température. Et bon, des fois, je disais aux gens quand même, si vous voulez savoir quel temps il fait, bon, ouvrez la fenêtre. Et surtout au Québec, hein, on peut, à moins 35, on le saura rapidement. Il fait froid. Vous êtes en hiver. Bon, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous pensez? Bon, les gens croient au miracle, il leur faut des chiffres. Enfin. Donc, j'aimais bien faire cela, cette météo-là, et parce que voilà brusquement un jeune homme noir qui entre dans l'inconscient collectif du Québec, c'est-à-dire qui parle de la neige. Et les gens étaient estomaqués au début, mais ils m'ont accepté avec grande gentillesse. Mais comme je venais d'Haïti, donc je suis un homme quand même de la dictature, vous savez. Alors, j'ai commencé la météo en disant, en prenant une ville, il y avait une ville qui s'appelait Yellowknife. Bon, j'ai dit, bon, je ne dirai pas la température de Yellowknife. Naturellement, dès le lendemain, on a reçu beaucoup de courriers des gens de Yellowknife qui étaient très fâchés. Et le maire, qui était très, très gentil, beaucoup d'humour, m'a dit, écoutez, on ne parle jamais de nous, sauf pour dire la température à Yellowknife. Maintenant, vous nous l'enlevez, qu'est-ce qui va nous rester? C'est ainsi que j'ai rétabli Yellowknife sur la carte. Mais je crois qu'il faut toujours commencer par un acte d'autorité. Alors, Denis Laferrière, intime, vous écrivez en pyjama et vous lisez dans votre baignoire. Oui, oui. Mais je crois que ce sont des... Pour moi, c'est une baignoire rose. Au début, oui. Une baignoire rose. Maintenant, elle est moins rose. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement intime pour moi, la lecture comme l'écriture. Je lis et j'écris au plus proche de mon corps, au plus proche de mes émotions. Et j'attends le moment où je me mets en condition pour recevoir ce moment-là, et je l'attends. Et quand il arrive, je ne sais pas... Je sens les choses, disons, grimper littéralement, les émotions, les sentiments comme ça, me chatouiller le corps, et jusqu'à ce que je me dis, bon, c'est le moment, je peux commencer à écrire. Parce qu'il ne faut pas précéder l'acte d'écrire, il ne faut pas le forcer non plus, et c'est un besoin comme celui de pisser. Et je ne savais pas que vous étiez là. Alors...
C'est un besoin. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans la fonction naturelle du corps, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire que Dieu ait fait quelque chose d'aussi banal qu'enlever l'eau de trop dans votre corps par un geste qui peut, certaines fois, être magnifique. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté. Ah oui, sur la route, vous vous arrêtez et vous allez dans les bois parce que vous avez une envie de pisser. Même si. Hein, bon, on en revient à l'écriture. Mais c'était cela. C'est un autre jet dont je voudrais que vous parliez. C'est la métaphore. Le jet d'encre. C'est la métaphore de l'écriture, je crois. C'est ce plaisir irrésistible. Et donc, je l'attends. Comme pour la lecture aussi. Je crois que la lecture est très proche de l'écriture. Et je ne le lis pas et je ne sens pas en énergie créatrice. Il y a une énergie créatrice aussi pour lire. Et je crois qu'il y a c'est d'où le lien profond entre l'écrivain et le lecteur. Et vous dites que le lecteur est à égalité avec l'écrivain, qu'il est aussi important que l'écrivain. Oui, Borges pense que le lecteur est en avantage. Parce qu'il dit qu'il est plus courtois que l'écrivain, il vient après. Mais je crois que le livre, c'est comme une carte du trésor dont on aurait donné la moitié de la carte à l'écrivain et l'autre moitié au lecteur. On ne peut pas trouver le trésor si les deux ne se mettent pas ensemble, ne mettent pas leur morceau de carte ensemble. Je ne pourrais pas imaginer une chose, une émotion plus touchante que celle de savoir que dans Nancy, par exemple, ce soir, il y a quelqu'un tout près d'une lampe studieuse est en train d'écrire, et à l'autre bout de la ville aussi, sous une lampe, quelqu'un est en train de lire. Et de savoir que ces deux personnes sont reliées au plus profond, puisque ce sont des actes extrêmement intimes, protégés par le silence, de savoir que ces deux personnes-là sont reliées au plus profond, et de savoir aussi que cette communion et ces deux actions-là remontent à la nuit des temps, que les humains ont toujours voulu mettre sur papier, quelle que soit la manière, et ces traces vives de l'émotion, et moi, ça me touche. J'arrive. Je voulais justement vous poser une question sur la langue de votre lecteur. Je ne vous poserai pas celle que vous attendez, dans quelle langue écrivez-vous, en français, en créole, mais sur la réponse que vous avez apportée à un journaliste du Monde qui vous l'a posée, et vous avez dit, je me souviens avoir dit, à propos de mon premier livre, ce sera facile à traduire, car c'est déjà écrit en anglais, seuls les mots sont en français. Et pour prouver que je peux écrire en français dans toutes les langues du monde, j'ai titré l'un de mes romans « Je suis un écrivain japonais ». On écrit précisément pour quitter son corps et l'espace où l'on vit, pour être un autre. J'écris dans la langue de celui qui est en train de me lire. Je crois ça. Je crois profondément ça. C'est là la langue de la littérature, précisément. Et je crois que, oui, on écrit pour être ailleurs et on lit aussi pour être ailleurs. Donc, il existe un espace où il n'y a pas de police, d'agent d'immigration ou de douanier, il n'y a pas de pouvoir. C'est la littérature. C'est la littérature. J'ai précisé que je ne donnerai pas l'adresse pour empêcher qu'on vienne nous taxer. Là, c'est-à-dire que c'est la littérature. Je crois que le lecteur est plus subversif. C'est normal que je finisse par sortir les émotions qui sont en moi, par écrire le livre que je veux bien écrire. Et ce livre est écrit d'abord aussi pour me laver, il est au cœur, il est dans mon corps, c'est comme une interjection, il est là. Mais que quelqu'un qui habite à Tokyo ait pu d'abord écarter toute la littérature japonaise, ensuite les grands classiques, ensuite tous les livres dont on parle, qui viennent de sortir, les best-sellers, pour choisir le roman d'un Québécois d'origine haïtienne vivant aujourd'hui à Nancy, pour choisir ce livre-là, je trouve qu'il a fait un déplacement plus étonnant que le mien. J'ai été profondément moi-même, j'ai voulu aller au plus profond de la mine, c'est vrai, je suis descendu au charbon. Mais lui,
il s'est déplacé de sa langue, de sa nature, de son continent et de toutes de tous les chants de sirènes, parce que la bibliothèque du monde, tous les écrivains lui font signe ici et là, et moi, et moi, et moi. Vous savez, comme dans un chenil, et moi, et moi, et moi, pour prendre un livre, le mien ou celui d'un autre écrivain, et s'identifier à ce livre à un point exceptionnel, alors que nous sommes des natures différentes. Je trouve qu'il a fait un pas plus qu'appréciable. C'est pour cela que je crois que les livres n'existent que parce qu'il y a des lecteurs qui les attendent et les demandent en silence dans leur chambre. Ce n'est pas une pression populaire, ce n'est pas une commande commerciale et autres. C'est des gens nombreux qui voudraient bien que ces émotions, dont ils n'ont pas le temps de les cristalliser, de les mettre dans des livres, arrivent à la vie. Et un jour, ils sortent, ils rentrent dans une librairie et ils font « Oh, ça y est ». Et leur identification au livre, parfois, peut être plus forte et plus complète que celui du lecteur. Un peu simplement, comme il arrive que des gens font la cuisine, vous préparent un repas et n'arrivent pas à manger. Alors que vous arrivez, et puis avec toute votre fraîcheur, tout votre appétit, et la personne, la cuisinière, étant intoxiquée par les odeurs, n'arrive pas et vous mangez. Et la personne se trouve plus heureux même de vous voir manger. Donc il y a quelque chose, cette communion entre le lecteur et l'écrivain, et qui est extraordinaire, et qui fait que l'écrivain ne peut jamais lire son livre, il ne pourra jamais le lire, parce qu'il est déjà intoxiqué par tout ce qui est dedans, comme n'importe quelle cuisinière ne peut pas manger, puisqu'il a goûté au fil, il a ressenti les odeurs, et il faut que quelqu'un arrive tout neuf, et déjà à la porte, s'exclame, ça sent bon ici. Et c'est ça, la lecture, ça sent bon ici. La lecture est... ouais. À travers vos paroles et en vous lisant, bien sûr, on sent que vous êtes un poète. Et j'ai l'impression que vous mettez la poésie au-dessus de tout, que c'est pour vous l'art majeur. D'ailleurs, en Haïti, la poésie est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Vous avez, parmi les... dans les pages de votre livre, écrit l'art de lire la poésie. Vous avez lu tout à l'heure l'art de changer de café. Je vais lire l'art de lire la poésie. Et puis tout à l'heure, en conclusion, vous lirez l'art d'aimer. Voilà une chose dont on ne parle presque jamais et qui devrait faire partie de notre mode de vie urbain, la lecture de la poésie. Depuis qu'on a quitté la campagne pour cette vie accélérée, la lecture de la poésie est devenue aussi essentielle que l'oxygène. Les médecins auraient dû prescrire la poésie comme traitement contre le stress. Si les poètes semblent si angoissés, c'est pour que leurs lecteurs puissent mieux respirer. D'abord un conseil, ça ne se lit pas comme un roman. Chaque poème est autonome. Prenez deux poèmes par jour, un le matin et un autre le soir. Trouvez un vers qui vous plaît et ruminez-le durant toute la journée, jusqu'à ce qu'il s'incruste dans votre chair. Vous faites ça souvent ? Oui, je le fais, je rumine. Je rumine tout le temps, d'ailleurs, les gens ont l'impression d'entendre ma voix dans leur cou quand je suis dans le métro, et ça les dérange. J'ai trouvé ce vers « Mil dimino dimenso, mil dimino dimenso ». C'est un poème bref, c'est le plus bref, je crois, c'est de Ungaretti. « Je m'éblouis d'infini ». On peut dire ça quand même toute une journée, c'est pas mauvais. Chaque fois qu'on trouve un obstacle, on dit « Je m'éblouis d'infini, mil limino dimenso ». C'est beau. Donc c'est cela, juste ça, nous soulève légèrement et fait en sorte que nos pieds ne touchent pas la frange du monde. Par contre, il ne faut pas quitter cet espace, cette fange, cette réalité, non plus trop longtemps. Et elle est aussi partie intégrante de notre vie,
et de notre capacité aussi de ressentir la poésie. Il faut avoir les pieds au sol pour pouvoir se soulever légèrement. Donc pour moi, c'est extrêmement important et la lecture de la poésie. Et je voudrais saluer les poètes ici. Je parle de tous ceux qui, à travers le temps, ont fait cet art qui était, enfin, pour les Russes, ça a été la grande poésie, c'est comme des rock stars, et ensuite ça s'est perdu. Maintenant, les poètes ne vendent que quelques centaines d'exemplaires, et malgré tout, continuent. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus bêtes que les autres, ils connaissent encore les mots encore mieux, donc ils auraient pu, comme tout le monde, laisser filer ça en un roman. Non, ils continuent, et il y a aussi des gens qui continuent à acheter des recueils de poèmes comme ça, et c'est un grand mystère. Dans ce monde où l'on ne parle qu'en termes de centaines de milliers de best-sellers, de livres qui triomphent, de puissance, et on l'en voit dans les journaux, des gens avoir 4 pages, 5 pages pour eux seuls. Et tout cet après-midi, un jeune homme qui me voyant avec tous les caméras me dit « Comment vous vous sentez quand il y a des gens qui n'ont personne devant eux, vous avez tous ces caméras ?» Et des choses comme ça. Où l'on voit dans ce monde où on a l'impression qu'il y a un monopole de la lumière. Et savoir que dans cet espace hors de la lumière, qui est une sorte de nuit, eh bien, les poètes, de nuit en nuit, cheminent. Il me semble être comme ce genre d'animal dont on dit qu'après tout, quand tout, toutes les modes seraient passées, eh bien, il restera un poète parce qu'il est habitué au petit tirage, au lecteur intime, aux connivences, aux confidences, aux conversations à voix basse. Ce sont des gens qui écrivent facilement par temps de catastrophe. Alors, quand les temps de catastrophe arrivent, ils ne seront pas déstabilisés. Alors, quelqu'un qui est habitué d'avoir des tirages de millions, si jamais il a juste 100 000, il est déjà mort. Mais les poètes qui sont habitués à vendre 50 exemplaires ne mourront pas. Vous avez parlé du temps des catastrophes. Évidemment, je vais faire le lien avec l'épouvantable séisme qu'a connu Haïti en 2010, en janvier 2010. Vous y étiez à Port-au-Prince, justement pour une manifestation littéraire, avec toujours un carnet sur vous. Vous avez votre petit carnet pour prendre des notes. Et la première chose que vous avez fait, c'est écrire. Ça a donné ce livre dont je parlais au départ, « Tout bouge autour de moi ». C'est le premier réflexe. Vous parlez beaucoup dans « L'art presque perdu de ne rien faire du temps » et du temps qui ne passe pas de la même façon suivant les jours, suivant les événements. Les 60 secondes des secousses. J'ai mis 60, mais en fait, c'était 35 secondes. J'avais mis 60. Et 35 secondes. En 35 secondes, 300 000 personnes et une ville tombent, sans compter les blessés. Et moi, et parce que, vous savez, on parle de choses extrêmement graves. Et c'est très peu de gens qui ont vu 300 000 personnes mortes en 35 secondes. J'étais dans cette ville. Le premier réflexe que j'ai eu, j'étais couché par terre, c'était d'aller voir si les roses, les fleurs qui étaient dans le jardin, y étaient encore. C'est étrange. Et je suis allé et j'ai vu que même les fleurs à longue tige ne s'étaient pas cassées. Aucune fleur n'était abîmée pendant que toutes les maisons de Port-au-Prince tombaient. Et d'ailleurs, j'ai écrit dans ce livre, le béton s'est cassé et la fleur a survécu. Et ce qui est léger a résisté, ce qui est lourd est tombé. Et c'est je ne sais pas pourquoi, cette sensation, j'avais mon carnet, je l'ai sorti pour deux raisons. D'abord, parce que je crois profondément que le narrateur ne meurt pas. Comme dans les rêves, quand même si c'est un cauchemar, quand on a l'impression qu'on rêve, on se dit on ne va pas mourir puisqu'on est dans un rêve. Alors moi je crois que quand on est en train d'écrire une histoire, on ne peut pas mourir puisque je suis en train d'écrire l'histoire. Et j'ai commencé à écrire, mais des mots sans sens. J'écrivais uniquement ce que je voyais. Et les gens passaient, j'écris, des gens passent. J'écris pour écrire,
parce que je crois que si je suis en train d'écrire, je ne peux pas mourir. Et c'est un peu chose vue en même temps que vous écrivez. Oui, et tout à fait. Et à un moment donné, j'ai eu une autre idée, une autre, j'allais dire, un autre impératif même. Les gens qui étaient là étaient tous en danger. D'ailleurs, il y a eu plus de 45 secousses mineures, répliques durant la nuit. Donc, personne ne savait jusqu'où ça allait. Et puis, je suis resté, je me suis dit, comme personne ne peut se sentir plus légitime dans la douleur qu'un autre, et que, contrairement à un incendie ou même à un cyclone, le tremblement de terre n'est pas une personne. C'est la terre qui tremble. Et je vais essayer, en tant que témoin, de raconter, si jamais la mort arrive, elle arrivera, dans ce carnet, ce que je vois, pour que si jamais je meurs, qu'on puisse trouver le carnet et savoir comment les Haïtiens s'étaient comportés durant ce moment-là, sachant que les médias internationaux allaient venir, mais pendant ces 36 heures, ceux qui sont morts et ceux qui ne sont pas encore morts, nous étions uniquement ensemble. Il n'y avait pas aucun étranger, même haïtien. Il n'y avait pas que des gens qui étaient dans cette ville et qui y ont échappé à la mort ou qui n'échapperont pas, parce qu'il y aura d'autres répliques, et les maisons étant fragilisées, donc il y aura d'autres morts. Et je me suis dit, je voulais faire savoir au monde que ce qui s'est passé en Haïti, c'était une grande catastrophe, mais que la chose la plus importante, c'était la façon dont les Haïtiens ont fait face à ce malheur. Ils étaient exceptionnels. Bon, Haïti, c'est comme ça, les choses de la vie quotidienne, nous ne sommes pas très bons. Mais quand il arrive un moment grave, important, les gens se sont comportés depuis la bourgeoisie jusqu'aux gens les plus pauvres. Et même, on m'a dit, et je n'étais pas au centre-ville, qu'on a vu des chimères, enfin des gens qui sont considérés comme des bandits, des tueurs, se porter au secours de gens. Il y a eu le moindre cas de vol durant ces journées-là et les journées qui ont suivi, de vol, de tuerie, il n'y a presque pas eu. On était au point zéro. Bon, bien sûr, 300 000 morts, qui est-ce que tu vas tuer? Mais quand même, il reste qu'il y avait la possibilité précisément d'un pillage absolu. J'ai entendu un journaliste dire, et quand est-ce que le pillage va commencer? D'un pillage absolu, parce que le palais national était tombé, les ministères des finances, de la justice, les comptes, c'est-à-dire des taxes, étaient tombés, la cathédrale de Port-au-Prince était tombée, les magasins tombés, les écoles tombées, toutes les institutions. Pour une fois, pendant ces 48 heures, il n'y avait que des gens. Et ces gens-là, sans police, sans aucun pouvoir, se sont comportés avec une dignité impressionnante et j'ai voulu en être le témoin et l'écrire. C'est pour ça, dans ce livre que j'ai écrit, je n'ai fait que noter. Vous savez, mon apôtre préféré, c'est Saint Matthieu. Parce que Matthieu disait que je suis trop bête pour réfléchir comme Paul, comme Jean, ou comme Luc. Moi, je ne fais qu'écrire ce que Jésus dit. Eh bien, Matthieu, c'est le seul qui est resté, qui soit resté dans les églises. Dès qu'on dit Jésus disait en ces temps-là, c'est Matthieu qu'on cite. Il était trop bête pour commenter, eh bien, il n'a gardé que les choses essentielles. Je me suis dit, ne commente pas, écris ce que tu vois. N'ayez pas d'idées préconçues, n'essaie pas de tisser un récit, et d'où ce que Françoise a dit tout à l'heure, chose vue. Ce que je vois, je l'écrivais, et vous savez, il y a eu beaucoup plus d'humour durant ces moments-là. Le lendemain, je suis allé voir ma mère qui me dit, toute excitée, qu'elle était toute contente parce qu'elle n'avait pas passé et dormi à la Belle Étoile depuis son enfance. Et que c'est magnifique et qu'elle refuse de rentrer. Ça lui a pris un mois. Sa sœur est morte, qui a pris froid. Sa sœur est morte, mais elle a refusé de rentrer à la maison parce que c'est magnifique de dormir à la Belle Étoile. Donc j'ai vu aussi, on était sur la route de Delma, une voiture nous a doublé et les gens se sont précipités pour nous dire et le type m'a dit, nous saluons les vivants.
Pendant que la planète pleurait nos morts, des gens saluaient la vie. C'est extraordinaire, cette force-là. J'ai vu le lendemain matin, à 11h, le lendemain de la plus grande catastrophe peut-être de notre époque, j'ai vu une vieille dame pauvre, assise, dos contre le mur, en train de vendre des mangues, parce qu'elle doit sortir pour vendre des mangues. Les enfants doivent manger, même s'il y a eu un tremblement de terre. Et c'est parce que ces gens-là, pauvres, sont sortis dans les rues, parce qu'elles ont été poussées par la vie qu'il faut rétablir tout de suite à cause des enfants, que Port-au-Prince a été sauvé. La ville s'est reconstituée. Parce que je crois que si tout le monde était resté dans son malheur à la maison, on aurait les mauvaises idées auraient pu circuler. Donc le bien commun a tout de suite repris le dessus et ainsi la ville a été sauvée. Et le premier que j'ai vu, c'était cette femme qui vendait ses mangues dans une ville où il n'y avait personne pour acheter. Mais vous savez que dans le commerce, il y a le bon commerce, c'est-à-dire la communication, la relation avec les autres. J'ai vu une ville se tenir debout au cœur de la plus grande catastrophe. Et c'est là que j'ai compris pourquoi le monde entier a reçu une telle houle d'émotion à propos d'Haïti. C'est parce que ce peuple reste toujours celui qui a conquis son indépendance, apportant à l'héritage universel quelque chose de précieux. L'idée qu'on ne peut pas mettre des gens en esclavage, ils trouveront toujours un moyen pour y sortir. Ça n'a rien à voir avec une question de noir, ça n'a rien à voir avec une question d'Haïti ou de colonisation, c'est un héritage humain. On ne peut pas mettre les gens en esclavage. Le colon a cru qu'après 300 ans, 400 ans, la chose était réglée. Les gens avaient fini par comprendre qu'ils étaient nés comme ça. Mais pour l'esclave, l'esclavage a toujours été un mauvais quart d'heure à passer. Même si ce mauvais quart d'heure a duré 300 ans, 400 ans. Et c'est ce même peuple que j'ai vu ce jour-là se redresser avec une vitesse et continue à le faire. Même si on fait circuler au-dessus de leur tête une valse de milliards qui se discute aussi entre les États, les gouvernements, le gouvernement haïtien, les grandes institutions. Je suis allé en Haïti, les gens se sont redressés eux-mêmes, faisant fi des grandes promesses, la ville allait changer, où en est la reconstruction. Ils ont rebâti les endroits qu'on leur avait dit de ne pas réintégrer parce que ces maisons étaient fissurées. Ils les ont rafistolées, faisant fi de toute prudence. Ils les ont rafistolées et les ont habitées et ils ont retissé la vie. Buscando la vida, disait ma grand-mère. Cherchez la vie. Et ils l'ont trouvée. Oui. Dany, vous dites « j'écris comme je vis », mais au cœur de votre écriture, il y a avant tout les gens, le cœur, le monde, les gens. C'est ça qui compte le plus pour vous. Mais totalement. C'est pour ça que je peux me reposer en parlant, parce que c'est ce que j'aime le plus. C'est pour ça, c'est-à-dire, et au cœur de cela, moi, c'est rencontrer les gens. J'écris pour rencontrer des gens. Et j'ai parlé d'ailleurs à des jeunes gens hier ou ce matin, et je n'arrive plus à savoir hier, ce matin, enfin tout ça. Non-stop. Ce sont des conventions. D'ailleurs, vous l'avez dit, à Nancy, on fait la sieste en travaillant. Voilà. Oui, pour faire un tel festival, il faut cela. Mais je leur avais dit que quand j'étais enfant, j'aimais la magie. Mais la magie que j'aimais, ce n'était pas du tout le magicien qui fait sortir le lapin dans le chapeau. C'était le fait de savoir qu'il trichait. C'était qu'il y avait un truc. C'est le truc que je trouvais magique. Qu'il ait pu faire sortir un lapin, que ce ne soit pas vrai, et que ce soit par un truc qu'il l'ait fait, je trouvais ça magique. Je ne trouvais pas le résultat magique. Ce n'était pas le fait de faire apparaître un lapin qui m'intéressait, c'était le fait qu'il y a un truc. C'est ça l'écriture, il y a un truc. Et je me suis toujours dit, j'aimerais bien faire de la magie,
Et j'en fais depuis 30 ans. Depuis 30 ans, je voyage une ou deux fois par mois et je n'ai jamais payé un billet d'avion, une chambre d'hôtel, un repas. Vous avez un bon éditeur. Bukowski, quelqu'un, le facteur était venu voir Bukowski, il était tout jeune, il y avait deux jeunes femmes qui étaient devant la porte en train de prendre du soleil, et le facteur un peu jaloux d'être si jeune et de voir le vieux Bukowski, le vieux au gros nez, au gros bide comme il disait, avec deux jeunes femmes comme ça, allemandes, qui étaient venues le voir, parce qu'elles aimaient ce qu'il écrivait. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que vous faites pour mériter d'avoir ces deux belles jeunes femmes avec vous, et un homme avec une tête pareille? Il dit, je tape à la machine 8 heures par jour. Alors, en tapant à la machine dans ma petite chambre, j'efface l'argent. Et c'est cette magie que je fais depuis 30 ans, parce que j'écris, parce que je fais apparaître des émotions sur la page blanche. J'exporte ce que j'écris, et si vous aimez ce que j'ai écrit, j'apparais. Alors, Dany, on arrive, hélas, déjà dans les dernières minutes de cette rencontre. Et au bout de 30 ans de magie, il y a l'Académie française. C'était un rêve pour vous, l'Académie? C'était un objectif? Ah non, ce n'était pas un rêve du tout. Je ne savais même pas qu'on pouvait y rentrer. Je pensais que c'était les mêmes qui étaient là depuis Voltaire. j'y pensais pas tellement. Ça a été un peu magique aussi. Un rêve, c'est quelque chose à porter quand même, à longue portée. Mais tellement c'était grand. D'ailleurs, j'ai rencontré un Sénégalais à l'aéroport Charles de Gaulle, et il m'a reconnu. Il m'a dit, vous êtes Daniel Laferrière de l'Académie française. Il me dit, nous autres en Afrique, on pense à être président, mais académicien, jamais. Donc, non, ce n'était pas un rêve. Je n'osais pas rêver de cela. Et c'est arrivé si vite, avec une telle rapidité. Ah oui, c'est assez incroyable. Oui. 3 semaines de campagne. Oui, je n'ai pas fait de campagne en plus. C'est 3 semaines, tout simplement. C'est Jean d'Ormesson qui l'a fait pour vous. Ah oui, c'est Jean d'Ormesson qui l'a fait pour moi. Il est aidé par Hélène Carrère d'Encausse, Frédéric Vitou, Jean-Marie Roy, et puis tous ces gens. Et c'est arrivé comme ça, et avec une telle vitesse. Moi, je ne pouvais pas faire campagne, parce qu'il faut aller voir les académiciens pour leur dire que vous voulez être académicien. Et puis, ils vous regardent, ah, bon, vous voulez être académicien. Ce n'est pas facile, mon ami. Et puis, Hugo l'a fait, il a été recalé 6 fois, et Zola 24 fois. Donc, on ne peut pas avoir de vanité dans cette histoire, parce qu'on vous sort les chiffres. Et vous n'êtes pas le premier, ni le dernier, tout ça. Mais je devais aller en Haïti, en Martinique aussi, et en Haïti, parce que j'étais invité au premier salon du livre international de Port-au-Prince. Ce n'est pas rien. Le mot international est très important en Haïti. Nous sommes une île. Nous sommes à l'écart du monde. Donc, chaque fois qu'il y a une possibilité de se relier au monde, c'est important. Alors, j'ai choisi, je leur ai dit, très gentiment, parce que je crois dans les rituels. Je ne suis pas du tout iconoclaste. Pas de ce côté-là. Ça ne m'intéresse pas de casser les rituels, au contraire. Ce que j'aime, la subversion pour moi, c'est de se glisser doucement et de changer les choses sans que ça paraisse. Je n'aime pas faire du bruit en arrivant. On arrive, on s'assoit, on dit bonjour. Et j'étais à Port-au-Prince, je voulais recevoir la nouvelle à Port-au-Prince, quelle qu'elle soit. C'était important pour moi. Alors, Amine Malouf, qui est un homme à la fois fraternel et moderne, m'a envoyé un SMS. Mais moi, je ne suis pas moderne, je n'ai pas de tweet, je n'ai pas de blog, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de cellulaire, de portable, et je n'ai rien qui sonne. Alors, j'étais là, mais on m'avait donné un cellulaire parce que j'étais le président ou je ne sais pas, du salon ou quelque chose comme ça, pour me rejoindre. C'est ça, d'ailleurs, un cellulaire, c'est une laisse. Et puis,
j'entendais sonner et j'ai pris. Alors, j'ouvre, allô, j'entends personne. C'était un SMS, alors on ne peut pas entendre. Et puis, finalement, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, ces appareils-là, on ne peut pas leur faire confiance. Et je ne pensais pas que c'était l'académie, parce qu'on m'avait dit, c'est à 11h, 11h30 qu'on allait me téléphoner. Là, il était 10h15. Et en jouant comme un enfant sur les boutons, et ça apparaît. Félicitations à Malouf. Bon, naturellement, on a une grande nouvelle. On est toujours un peu étonné. Je me suis pris à demander, quel est le sens exact du mot félicitations? Est-ce négatif? Et finalement, j'ai compris parce que Frédéric Vitou, sa femme, m'a appelé. Ah oui, vous l'avez eu. Et c'est une grande joie, mais une joie qui a été volée par la foule. Je suis descendu pour aller, parce que je voulais que cette nouvelle m'arrive au moment où je parlais, faisais une conférence à des jeunes gens que j'avais invités. Je voulais que ça me prenne dans une ambiance de jeunesse et que ce soit quelque chose pour eux. Mais la nouvelle était déjà dans la rue. J'ai rencontré des gens, j'entendais de la musique. J'ai dit, mais c'est quoi ? C'était un événement là-bas. J'ai dit, c'est quoi cette musique ? Et je connais, bon, Haïti, c'est un pays un peu farfelu, surréaliste. Vous pouvez entendre de la musique comme ça, les gens, un petit groupe. Et puis j'entends, et quelqu'un a dit, hé, Immortel ! J'ai dit, Immortel ? Il dit, hé, Immortel ! J'ai dit, mais c'est pas un prénom, c'est... Hé, Immortel ! C'est Immortel. Déjà, il savait. C'est incroyable comment les nouvelles, les bonnes nouvelles circulent avec une vitesse extraordinaire. Et je suis allé et j'ai fait des entrevues, j'ai donné des interviews. Vous êtes élu quand le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Mme Hélène Carrère-Dancausse, vous appelle pour vous dire les résultats officiellement. Eh bien, ça a pris 48 heures pour qu'elle puisse m'atteindre. Tellement le portable, ce fameux portable, sonnait tellement que je répondais en faisant les conférences. Vous voyez, je peux dormir. Et le premier ministre du Québec m'a appelé, Mme Pauline Marois. Et j'ai dit, je ne peux pas vous parler, mais sauf si vous acceptez de me parler pendant que je fais la conférence. Alors, je disais que Diderot et Jacques le Fataliste est une œuvre, pour moi, l'une des plus rapides de la littérature. On se souvient du début de Jacques le Fataliste. Oui, madame. Et oui, absolument, je vous remercie. Ah non, absolument, je ne manquerai pas de dire ça à ma mère. Oui. Mais il faut croire aussi que l'étranger, dans le début, aujourd'hui ma mère est morte, ou peut-être hier, j'ai reçu un télégramme de l'asile, on dirait qu'il y a vraiment un lien entre Diderot et Camus. Ah non, c'est très bien, je sais que le Québec est content. Absolument, madame. Absolument, je vous remercie. Donc, c'est comme ça que je vivais avec une vitesse, et finalement, l'émotion m'a été volée. Il a fallu un mois pour qu'un soir, j'ai pris une bouteille de vin. Je me suis assis dans le salon, dans la pénombre. C'est là que votre fille est arrivée, non ? Non, alors ma fille est arrivée en arrivant à la maison, à Montréal. C'était un jeudi. Le jeudi, je suis de garde. Et naturellement, elle m'a dit, Immortel, c'est à ton tour de faire la vaisselle. Alors, j'ai dû... Depuis lors, d'ailleurs, chaque fois qu'il y a quelque chose, parce qu'on se moque de moi beaucoup à la maison, chaque fois qu'il y a quelque chose, et ma fille dit, mais appelle l'académicien. Chaque fois qu'il y a un sens, et ma femme fait beaucoup les mots croisés, alors, mais appelle l'académicien. Mais les académiciens, enfin, si je prends sur moi, nous ne connaissons pas, nous ne savons ce que nous savons. Et les gens n'arrêtent pas de me dire n'importe où. Est-ce qu'on dit ceci, est-ce qu'on dit cela? J'ai dit, mais dites, vous verrez. Parce que la langue française est une langue si musicale. Si la musique n'est pas bonne, on ne dit pas. Et si on dit, ne dites pas. Parce que c'est d'abord musical. C'est une langue faite de logique, comme on dit, mais et de musique. Et n'oublions jamais la musique. Elle est au cœur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, les grands poètes, ils changent quand la musique n'est pas très bonne, même si la logique de la langue est là. Ils changent et on est obligé, en lisant le littré, de dire, on ne dit pas ça, mais on peut le dire, puisque Hugo l'a dit, puisque Rimbaud l'a dit. Et j'ai ouvert la bouteille, j'ai versé un verre de vin. Rouge ? Oui, rouge. Il n'y a de vin que rouge, avec générosité. Et puis je me suis dit, Dany Laferrière, membre de l'Académie française, fauteuil d'Alexandre Dumas, mais lui je le connais, les Dumas viennent d'Haïti, du sud-ouest d'Haïti.
Vous savez, Dumas, le nom Dumas, c'est le nom de l'esclave, hein, de la mère. Sa mère s'appelait Marie Cécette Dumas, qui était la femme du général. Marie Cécette Dumas, ce n'est pas le nom du maître. Et j'étais marié, Marie Cécette Dumas. J'ai dit, bon, les Dumas, je connais, mais Montesquieu. C'est du fort, ça. Auteur de l'Esprit des lois. Un collègue. C'est quand même pas mal. Ce qui était aussi très émouvant, c'est cet enfant, le lendemain de votre élection, que vous avez croisé dans la rue. Oui, et d'abord, il faut le dire, je suis à Port-au-Prince. Une chose arrive comme ça, et hein, qu'est-ce qu'on fait? Je vais voir ma mère. Alors, ma mère n'est pas... Elle est très intéressée à ma vie, hein, à moi. C'est moi qui m'intéresse. Parce que j'écris, parce qu'il m'arrive, c'est moi, directement moi, uniquement moi. Oui, c'est c'est-à-dire, est-ce que vous avez mangé des carottes, c'est bon vous les yeux? Est-ce que vous acceptez que Jésus est votre seul ami? Les gens sont si hypocrites, mais lui ne l'est pas. Enfin, c'est moi. Et donc, quand j'ai eu le prix Médicis, ma mère, quand même, c'est une lectrice. Elle aime beaucoup la langue et tout ça. Elle m'a longuement parlé de Catherine de Médicis. J'ai laissé tomber. Mais là, j'arrive, et ma sœur, j'ai une sœur, on est assis dans la cuisine, je vois ma mère être sur sa petite chaise berçante, elle me regarde toujours quand je suis là. Elle dit, ça fait longtemps que je ne te vois pas, et elle me regarde. Et puis, ma sœur lui dit, tu sais que Dani est entré à l'Académie française. Ah, elle arrête, elle me regarde, et elle me dit, grosse affaire. Et c'est le mot parce que chaque fois qu'elle me croise dans les couloirs, elle me dit « grosse affaire ». Parce que l'Académie française, c'est les gens qu'elle lisait dans Historia, et c'est François Mauriac, c'est Pierre Gazotte. Elle aimait beaucoup lire Historia, il y avait toujours quelqu'un, vous savez, dans Historia, il y a toujours quelqu'un de l'Académie française, et enfin, qui en impose, on ne peut pas mentir. Et donc, ça l'impose. Et puis là, Bendan, c'est son fils. Et donc, elle me regardait, et puis... Le lendemain, j'ai filé pour Petit Gouave et c'est là que j'ai eu la plus grande émotion. Je suis arrivé incognito, c'est ma ville, là où j'ai passé mon enfance. Je suis allé visiter la maison où j'ai vécu enfant et un petit groupe s'est rapidement arrivé, des gens qui étaient déjà au courant et un petit garçon de 12 ans qui est venu et qui m'a récité tous les noms des gens qui m'ont précédé sur le fauteuil numéro 2. Je n'avais même pas encore regardé. Mes compatriotes, tous les noms des gens, presque c'est son père qui lui a appris ça. Dès que j'ai été élu, son père lui a fait étudier ça. Tous les noms des gens, et à la fin c'était Hector Bianchotti et Dany Laferrière. J'ai dit oui monsieur. Je pense que les académiciens vont bien s'amuser avec vous et qu'à la commission du dictionnaire, vous allez réussir à mettre quelques expressions soit québécoises, soit créoles qui vont... Ou des mots qui n'existent pas, mais je dirais que c'est créole. Oui. Et ce que vous ne savez peut-être pas encore, c'est que le dictionnaire de l'Académie française, c'est à Nancy qu'il est informatisé. Oui, ah donc bon. Vous reviendrez. Absolument. Alors, je vais vous laisser... bientôt aller dédicacer. Je vais vous demander évidemment de répondre au questionnaire de Pivot. Un académicien français analysé par un académicien Goncourt. Mais je ne peux pas vous laisser terminer cette rencontre, vous, président du livre sur la place, sans que vous fassiez un commentaire de ce que vous avez écrit là, intitulé « La librairie et le cimetière ». J'ai toujours vu un lien entre la librairie et le cimetière. Les deux regorgent de mort. Oui. Vous savez qu'on se bat pour défendre la profession. Ce n'est pas très gai quand même. Ah, au contraire, la bibliothèque ou la librairie, c'est un espace où il y a des morts qui pensent. Et c'est extraordinaire, c'est un tel miracle que d'ouvrir le livre de quelqu'un qui est mort depuis 600 ans et de l'écouter vous parler pendant 5 heures. Vous aider à réfléchir, vous aider à vivre, vous aider à affronter l'ennui. Et c'est ça, toute la dignité du livre.
c'est que dans cette bibliothèque, et d'ailleurs j'en ai une petite à la maison, non seulement ils pensent, ces écrivains-là, ils s'agitent. Il m'arrive de me lever le soir comme ça et d'aller parce que j'entends du bruit dans la bibliothèque. Il y a des écrivains qui n'aiment pas leurs voisins. Il y a des gens qui parlent fort. Léon Blois, par exemple, a eu une discussion avant-hier avec Bernanos, je ne vous dis pas. Céline et Malraux se sont engueulés. Il a fallu mettre, enfin, il y a des gens quand même qui s'amusent bien, Dante et Virgile. Il y a des amis, quoi. Horace, il y a des amis, mais il y a des ennemis aussi, et puis il y a des intrigues. Il y a des intrigues, il y a des écrivains qui s'agitent pour qu'on les voit, parce que quand vous entrez dans une bibliothèque, vous n'allez pas prendre tous les livres. Mais il y a des gens qui voient que vous prenez toujours les livres tout près de la porte. Ils s'arrangent pour se placer, repoussant d'autres. Enfin, c'est un lieu vivant, la bibliothèque. Donc pour moi, ce sont une bibliothèque, c'est un endroit où il y a des morts qui pensent. Et il y a là toute la dignité de la pensée. C'est qu'elle dure plus longtemps que le corps. Alors, Dany, quelques réponses au questionnaire de Pivot. Votre mot préféré? Adolescence. Parce que ça coule de source. Le mot que vous détestez? Sans doute. J'aime bien qu'il y ait un doute, une nuance. Le son, le bruit que vous aimez? Je ne peux pas dire. Alors, dites-nous celui que vous détestez. Celui que je déteste, c'est le bruit qui tente de couvrir le son que j'aime le plus. Je ne lui ai pas montré les questions. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Je ne sais pas. Guette maman. Comment? C'est en créole. Guette maman, c'est un mot, une expression créole. C'est le plus vieux, la plus vieille obscénité haïtienne qui remonte à la colonie. Ça devient guette maman, mais au fond, c'est le colon guette ta mère. Le colon guette ta mère, c'est les esclaves qui regardaient cela et qui, pour insulter l'autre, lui dit que le colon regarde ta mère et puis donc il peut avoir une relation. Et donc, guette maman. Alors, quand quelqu'un m'énerve vraiment, je dis qu'à maman. Et la dernière question de Pivot, qui est si symbolique, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Ah, mon brave, quel dommage, vous êtes arrivé si vite, j'allais descendre vous voir. Alors, je vous ai dit que Dany Laferrière terminerait cette rencontre avec l'art d'aimer. Je vais bien sûr vous laisser votre livre magnifique. Profitez bien de notre président jusqu'à dimanche après-midi. Il partira à Vincennes dimanche faire un débat livre sur la place sur la langue française pendant que nous accueillerons Richard Ford. Le programme du livre sur la place, je ne vais pas vous le redire, vous le connaissez tous, simplement... Les grandes rencontres qui se dérouleront ici, demain matin, le Goncourt de la biographie avec Bernard Pivot, une lecture de Pierre de La Donchamp. Demain soir, Sylvie Testu, Laure Adler qui liront entretien et texte autour de Marguerite Duras. Dimanche matin, cet entretien très rare entre Franz-Olivier Gisbert et Michel Onfray. Et dimanche, à 18h, ça sera déjà la fin du livre sur la place, avec une grande lecture de Pierre Arditi. Nous nous retrouverons dans nos rencontres du livre sur la place le 8 décembre. Ça sera le 20e anniversaire de ces rencontres, le temps passe. Et nous ferons cette rencontre au centre des congrès pour que celles et ceux d'entre vous qui n'auront pas encore eu la chance d'y entrer découvrent le magnifique amphi, les deux magnifiques amphis. Et j'ai demandé à Philippe Geluck d'être là, le chat, avant Noël, pour cet anniversaire. Je vais laisser Dany aller dédicacer dans le péristyle. Vous ne pouvez pas lire ça ?
Ah si, 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 si. Ah, vous allez lire. Ah, mais je suis bavarde, vous savez aussi. Non. Elle vous est dédicacée dans l'entrée de l'opéra. Laissez lire Dany et ensuite demandez juste aux jeunes de l'école de la deuxième chance de EDF, notre partenaire, de venir sur scène pour faire une photo avec vous. Merci Dany, un grand, grand bonheur de voir. Bon, on va laisser monter. Oui. Et puis, voilà. Et puis, montez et Dany lit avec vous l'art d'aimer. Oui. Bonsoir. Merci à toutes et à toutes. Pour sentir l'art d'aimer, il faut savoir que cette histoire, excusez-moi, je fais une lecture. Vous allez juste, comme on a titillé les gens depuis le début avec l'art d'aimer, il faut que je le lise aussi. Il faut savoir que cette histoire s'est vraiment passée. Vous m'excusez de vous écrire cette lettre de rupture alors que vous ne savez rien de notre vie commune. Notre amour ne concernait que moi, mais je dois admettre qu'il m'est difficile de prendre la décision de rompre avec vous sans au moins vous mettre au courant. Maintenant que c'est fini, il me faut aussi admettre que cette histoire a illuminé puis brûlé ma vie. Tout a commencé il y a plus de 10 ans, à cette petite fête où vous étiez arrivé très tard, avec une amie qui semblait déjà ivre. Et tout s'est terminé, je vous épargne les détails, hier soir, en me laissant l'impression que cette folle passion n'a duré qu'une longue nuit. Sans vous quitter des yeux un seul instant durant toutes ces années, je n'ai jamais cherché à croiser votre regard afin de ne pas vous déranger dans cette fête que semble être la vie pour vous. Merci Dany Laferrière.